Alors là, on est dans la phase où on mêle à la fois des auditions, donc on va aller chercher des experts, on va organiser des tables rondes avec des acteurs publics, avec des associations, avec des gens de terrain, avec des sociologues, pour en fait un peu accumuler tout un tas d'expertises, d'avis, et en fait enrichir nos travaux. On a énormément échangé aussi entre les membres de la commission, donc que ce soit les conseillers et les citoyens. Et là, en fait, on est dans une grosse phase aussi d'échange qui nous permet de comprendre un peu sur quoi on va devoir travailler. On n'est pas en train de faire nos préconisations et d'être précis sur ce qu'on fera, mais on est en train de cadrer notre sujet, de se rendre compte de tous les points qu'il faudra aborder, tout ce qu'il faudra démêler, ce sur quoi on a envie, nous, de nous positionner, et au final, qu'est-ce que sera la plus-value de notre avis par rapport à tout ce qui peut être dit dans la société de manière générale sur l'engagement et la participation des jeunes. C'était une première au CESE de pouvoir organiser ce travail conjoint entre citoyens et conseillers dans la même commission. Donc on a eu différentes étapes d'intégration des citoyens, d'acculturation un peu de ce qu'était le CESE, de comment on travaillait, de comment on fonctionnait, et aussi forcément un travail d'acculturation des conseillers CESE sur l'accueil des citoyens et réussir à travailler ensemble. Aujourd'hui, on a eu une très belle séance où au final on a vu que les citoyens prenaient la parole, échangeaient autant que les conseillers, avaient autant d'avis diversifiés, autant de connaissances et d'expertise de par leur propre vécu sur notre sujet. Et au final, ça a été extrêmement enrichissant et on commence déjà à sentir la plus-value énorme pour nos travaux d'avoir non pas que de l'expertise, mais de l'expérience en plus qui vient abreuver nos échanges. Et on est dans une commission où les échanges se passent très bien, où il y a beaucoup de participation et on ne peut que s'en réjouir. L'intégration des citoyens est complète et ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils ont eux-mêmes participé, notamment à choisir des auditionnés, à participer à l'organisation d'un déplacement que la commission réalisera. Donc les citoyens apportent quelque chose de nouveau, une autre vision, d'autres acteurs qu'ils auraient envie de voir. Et au final, c'est ça qui permet de construire réellement notre commission et ce qui sera notre avis.